Hey, salut à tous, chers gamers et gameuses, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Gossier, et bienvenue pour un nouvel épisode de God of War en compagnie de Kratos et son fils Atreus. Comme d'habitude, tous les mardis, c'est God of War et Zelda Tears of the Kingdom l'après-midi. Bah, les deux, ou les deux en même temps, hein. Ça dépend à quelle heure ça sort, etc. C'est selon ma wifi, c'est selon tout, voilà. Du coup, les amis, deux annonces, donc un problème technique qui a été réparé, ça y est, je l'ai réparé. Donc, le problème technique, c'est par rapport à The Last of Us Partie 2, épisode 5, il n'y a pas ma voix. Donc, vous inquiétez pas, c'est juste que l'Avermedia a fait de la merde. C'est que j'ai Avermedia Central 4 pour record, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, ma voix n'a pas été record par rapport à un problème de configuration, etc. Je sais pas ce qu'il a foutu, mais voilà, c'est fait, quoi. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas ma voix, etc. Et autre bonne nouvelle, bah maintenant une bonne nouvelle, là c'était la mauvaise nouvelle, là c'est la bonne nouvelle. Naruto X Boruto Connection sort au mois de novembre le 17. Donc attendez-vous à avoir une vidéo qui sortira le 17 sur Naruto X Boruto Connection quoi. Dans les montagnes de Midgard avant Ultimate Ninja Storm. De disparaître. Oui, apparemment. Je l'attends avec impatience comme beaucoup de personnes. Peut-être sont-ils rentrés chez eux. À Yotunheim, peut-être. Je me demande si ça pourrait être le visage d'un géant important. Donc au mois de novembre, il risquerait d'avoir du Naruto. Donc tant mieux, hein, parce que bon, Dragon Ball en a à la fin. Donc si on peut... Encore le souffle noir. Donc si on peut faire le nécessaire, voilà. Donc au mois de novembre, Naruto X Boruto confirmé. Tant mieux. Parce que là, on est à la fin de Dragon Ball, comme je disais. Et, il reste encore deux DLC. Donc le nouveau DLC, bah, il va être fini, je pense, jeudi, pardonnez-moi, ou jeudi prochain, parce qu'il est ultra rapide, et après, Dragon Ball, je pense qu'au mois d'octobre, on l'aura terminé, voire même au mois septembre, parce que les DLC en soi ne sont pas longs, du tout. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je peux rien faire? Pousser ou tirer? Rien. Peut-être en poussant. Je pense que c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là? Non, là, ça fait rien. Non, que dit-elle? S'il te plaît. Fais ça. Sous le joug, ilote enchaîné ou arbre enraciné, nul ne répond à mon appel. Donc, ce problème technique, j'espère que ça se reproduira plus parce que c'est chiant. J'avoue que c'est chiant. Donc à mon avis, le sol Atreus. C'est ça. Ça veut rien dire. Il manque quelque chose. Il y a peut-être un autre cristal lumineux. Bah, je pense que c'est le plan. Hein. On n'a pas le droit ici. Ah, il y a du monde. Wow. Je fais plus de dégâts là, c'est chelou. Oh, j'aurais pu le terminer autrement. Mince. Tant pis. Ça, il faut le détruire. Est-ce que c'est de la sève dans une grotte? Bizarre. Non, je peux pas le casser ça. Je pense que je peux pas le faire maintenant. Ça doit pas être ici, je pense que l'autre côté, non, il n'y a rien. Ici, nous avons quoi? Putain, je vous jure, avec la chaleur, j'ai du mal à... du mal à geeker, c'est chiant. Je pense que c'est là. Je pense que... Je sais pas, il doit avoir quelque chose à faire ici, je pense. Je sais pas, il n'y a pas de solution là, il n'y a pas... Ah mais... Oh, un petit cristal. Comment est-ce qu'il a atterri là-haut? Voilà. Bon, celui-là, on le récupère. Et il doit aller... Cet endroit devait être très important aux yeux des géants. On dirait qu'il nous teste. Il doit aller où, lui? Là, ouais, c'est bon, là, c'est bon. Je pense que ça doit être là. On va voir, de toute façon, si je tire...
Non, c'est pas ça. Et je dois le placer où? Si... J'ai peut-être une idée, mais je sais pas si ça va fonctionner. Si je le fous là-bas. Vers... l'endroit. Genre si je le mets là. Non, même pas. Ça sert à rien, ok. J'essaie de voir où il se place celui. Je suis sûr, je suis passé à côté. Ça, c'est quasiment sûr. De toute façon, ça peut être que là, pour faire un pont. Donc, milieu peut-être. Je ne sais pas. De toute façon, on va bien voir hein, si c'est pas là. Bah, ah oui, je suis con, c'est à gauche. C'est à gauche, bah oui. Il est pas le cristal à gauche. Je crois qu'il y était depuis tout à l'heure, mais non. Et non. Donc on va devoir l'activer. Tu l'as aussi. Allez. Voilà. J'arrive presque à lire. Presque à lire. Des runes, je peux les lire. C'est la réponse. C'est ça. Liberté. Mais oui, c'est ça. Vas-y. D'accord. Bref, ça. Allez, ça va, c'était pas trop compliqué. C'est juste moi qui suis passé devant. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est les choses qui arrivent. Je vous dis, avec la chaleur, c'est trompeur tout ça. C'est trompeur. Le test des géants n'est pas terminé. Je peux pas le péter ça, traverser les grottes obscures. D'accord. Il y a un cristal dans le porte-flambeau. Je l'active. Active-le, vas-y. Mais ouais, je te l'ai où là? Ah ouais, d'accord. Ok. Je peux pas y aller de l'autre côté, moi. Ah, il faut descendre avant de monter, on dirait. On sait jamais. Ces passages paraissent bien petits pour des géants. Qu'est-ce qui te fait rire? Oh, tu es sérieux? Je suis toujours sérieux. Oh là, tu peux pas rigoler un peu, Kratos, s'il te plaît, espèce de ronchon. C'est pas à l'histoire. Les géants sont une race comme les elfes et les uldres. Ça veut pas dire qu'ils sont grands. Et le serpent monde, alors? C'est vrai, dans son cas, géant veut aussi dire grand. Mais il y en a qu'un comme lui. Tu vois? Ta force titanesque. Alors lui, notre casse-couille. Bon, ça va, pour l'instant, ça va. Alors, ce qu'on va faire, c'est ça. Merde! J'ai pas eu le temps de me soigner. Putain. Je suis encore allé trop vite, je pense que c'est ça. Il faut de la stratégie. Fallait juste esquiver tout. Putain. Merde, je ressors. Oh, elle est fumée. Meurs. Meurs. Ok. Yeah.
ça c'est fait. Un peu de concentration et c'est bon. Mais j'ai pas de vie, ça, ça va pas me plaire. J'ai pas de life, ça va me saouler. Parce que là, je sens le pire. Et ouais, je le crains. Voilà. Oh putain. Mais ce jeu, les amis, ça va être une horreur. Mais une horreur. Alors, à tous ceux qui sont fans de God of War, franchement, bravo à vous si vous, arrivez à faire le niveau sans vous être fait tuer. Hein, que vous soyez fan ou pas fan. Hein, pardonnez-moi pour le mot fan, mais... C'est vrai que là, c'est une horreur, ce jeu. C'est une horreur, je trouve. Le jeu est génial en soi, mais ça va être une horreur. Pour certains passages. Ah, mais c'est un code. Ah, d'accord. Je pense que c'est pour un coffre. Alors moi, God of War, en vrai, j'aime beaucoup. Mais je suis pas un grand fan, en vrai. Je suis pas fan, mais j'adore. Ça va. J'aime bien par rapport à la mythologie. J'aime bien la mythologie grecque, nordique et égyptienne. J'aime bien. Allez hop, on fait ça, tranquille. Tranquille, Emile. J'ai intérêt à prendre la hache. Alors lui là, il va être chiant. J'intérêt à ne pas mourir. Et bah oui, il fallait que ça arrive encore une fois. Je vous le dis, ce jeu, il me maudit. Il m'aime pas. Ce jeu ne m'aime pas. Ou alors c'est moi-même qui n'aime pas le jeu, je sais pas, mais... C'est vrai que c'est chiant, en vrai. C'est vrai que c'est chiant, c'est frustrant que, quand on meurt à chaque fois. Ah, mais je peux faire des compétences, là. Ouais, apparemment, ouais. Brise-garde. Je peux pas la prendre, Ouais, il y a des compétences, mais je peux acheter que celle-là. J'ai pas assez de sous, je trouve. Là, c'est bon. Est-ce que j'en ai d'autres à faire? Pour Atreus, oui. Et à la hache, j'ai pas assez. Ok. Allez, on remonte. Encore une fois, autrement, je vais faire une ellipse. Si vraiment... je suis en train de... Si j'en chie là, je vais faire une ellipse. Oh putain, ils arrivent en fanfare. Putain, mais lui, il me tape par derrière. Ça, j'ai un truc. C'est un truc que j'ai horreur. Oh, wouah, il me tape fort, là. Hop. J'ai intérêt à me barrer. Oh, là. J'ai intérêt à fuir, je vous le dis. Oh, je peux pas fuir. C'est une blague. J'ai pas la rage. Wouah! Eh, c'est hardcore quand même. Bon, les amis, je vais faire une petite ellipse et on se retrouve juste après. À tout de suite. Bon, ça y est, les amis, après cette vague qui était vraiment casse-couille, je vous le dis, c'était une horreur. Là, pour le coup, on est bon. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Là, ça va me créer un pont. Ça m'en est où, là? Parce que je crois qu'il y a un code à faire, mais je crois que je n'ai pas... Parce qu'il faut ce coffre et sceller pour la mesure unique trouver et désactiver. Ah, bah c'est ça, les trois sauts, en fait, c'est les... Ouais, c'est les sortes de moulins, en fait. Mais je sais pas ce qu'il faut faire comme code. Parce que là, il y a un sort de R... Ouais, je sais pas du tout. En fait, il n'y a pas de...
d'indices. Ou alors il y a un il y a des indices, mais je sais pas. Peut-être pas fait attention, je sais pas. Voilà. Peut-être que. Il doit y avoir des indices quelque part, mais je sais pas où exactement. Ouais, je sais pas. Du coup, on va avancer, hein. On part pas de temps. Tant pis. Ah, mais il m'en reste rien, là. D'accord. Et mange pas ça. Ah, tu sais quoi? Vous savez quoi? On va utiliser la rage spartiate, là. Franchement, ça prend énormément de temps et ça va être chiant. Voilà, bien fait pour toi. Tant pis. Ah, parce qu'autrement, ça va être chiant de ouf, là. C'est chiant. Les combats, en fait, dans ce jeu, sont bien, mais chiants à la fois. C'est ça, le problème. Oh, regarde tous ces On peut mourir je ne sais combien de fois avant d'y arriver. Et... C'est pour ça que je fais des ellipses dans ce genre de jeu, parce que autrement, on va jamais y arriver, ça va être trop longue et tout. Eh bien, on verra pas le bout, quoi. Pas des géants. Exact. Des voleurs en quête de trésors, tu vois les pièges? Ah oui, heureusement pour nous, ils les ont tous déclenchés. Heureusement, ceux-là sont bien morts. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? On casse ça, ouais. On atteint notre endroit, c'est ça? On est arrivé! Lila. D'accord. Qu'est-ce qui est écrit, là? Oh, c'est Durathror, un des quatre serfs de l'Arbre-Monde. Il est censé garder l'entrée de Jotunheim pendant que les géants dorment. Tu crois qu'il est encore là? Je ne sais pas. Du coup, là, on a une porte. Alors, avant d'ouvrir la porte, j'ai envie d'explorer un petit peu. Déjà, là, on a un petit coffre. Donc, on va l'ouvrir. Hein. Donc, à mon avis, c'est de l'argent. Oh, c'est ça. De l'argent, de l'argent et de l'argent. Ça, c'est fait au moins. Oh, il y a encore du monde. Oh là là! Merde! Donne-moi de la life, s'il te plaît. Donne-moi de la vie! On casse tout, on sait jamais. Peut-être qu'une petite barre de vie par-ci par-là. Là, nous avons quoi? Là, on peut pas y accéder. Ah, mais c'est l'autre côté en fait! Si je fais ça, ça devrait être bon là. Non, on peut pas encore. Et là, on a quoi, là? Une porte. Je sais pas, c'est bizarre. On peut pas... Ah, il faut un cristal, d'accord. Bon, il faut un cristal, apparemment. Oula, il y a encore du monde, là. Oh, j'ai intérêt à faire gaffe parce que ils sont chiants. Meurs. Meurs. Voilà, c'est bon. Notre but est toujours le pic. Cherchons un accès. Déjà ici. Je pense que c'est mort. Il faut aller là. Wow. J'essaie de tout casser, on sait jamais. Tu crois que Mère savait que c'était la montagne des géants? Non. Sa requête s'est révélée plus compliquée qu'elle aurait pu le prévoir. Vas-y. De corniche en corniche, hein. C'est un nom, je crois. Raezir. Ça veut dire terreur. Qu'est-ce que c'est? Bizarre. C'est une bougie entièrement entourée de cordes et d'une espèce de peau de bête. Une sorte de lanterne. Ah d'accord. Y a pas de mèche. On n'en a pas l'utilité. Le Bifrost éclaire la voie. Ouais, le Bifrost, il sert à quelque chose. Comparé à ça, faut pas aller loin. Alors, je prépare la hache, on sait jamais. Je sens qu'il y a du combat ici. Peut-être pas, hein, peut-être pas, mais... C'est quoi tout ça? Alors, on est au cœur de la montagne. Dans une mine. Et si cette pince atteint le sommet, on touche au but.
On sait jamais. Là, il y a de la vie. Donnez-moi de la vie. Meurs. Comme si t'es déjà mort. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit utiliser ça, ouais. Je crois que je sais comment ça marche. La pince est sur le côté. Et si on arrive à faire bouger ça? Oh, oula! Ouh, il a tout cassé. Oh non! Je crois que la corde est coincée sous ce rocher. C'était très imprudent. Oui, père. Non, mais il a failli partir d'un. Désolé, père. En avant, lui. J'avoue que c'est assez imprudent. Ouais, elle est coincée. Et un comité d'accueil. Tu sais, c'est de débarrasser de ces choses. Fallait par la gauche ou la droite? Ou les deux côtés tout de suite. J'aimerais bien avoir la rage de Spartiate là. Putain, ils font mal. Ils font mal. C'est une horreur. Oh lo 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 lo. Parce que ça me brûle en plus, ça brûle Kratos, donc du coup, c'est une horreur. C'est une horreur. Donc du coup, on recommence. Je recule, on sait jamais. Oh là là, plus ça tire de l'eau. Mais les enfants. Ah, attendez. Utilisez ça. Oh, on va faire ça. Voilà. Allez, mon copain. Meurs. Voilà, c'est bon. Il ne reste plus là. Puis il est mort. Tant mieux. Du coup, qu'est-ce qu'on a à faire ici? J'entends quelqu'un taper. Mais jusqu'où ça va? C'est une montagne. C'est grand. Donc j'espère qu'il y aura soit Brock ou son frère. Ici. Ah, je me demandais qui avait pu réveiller. Ah bah tiens, il est dans quoi? Il est là. J'aurais dû m'en douter. Ah, ça fait longtemps. Que veux-tu, nain? Il y a un alchimiste, un certain Andvari. Il travaille dans les mines de Volund. Ça fait un bout de temps que j'ai pas eu de ses nouvelles. Peut-être une centaine d'hivers. Il est sûrement mort, mais vous pourriez vérifier. C'est un nain, lui aussi. Il porte un bel anneau vert et il me doit un service. Vous irez le voir? Si c'est sur notre. Ah, d'accord. Oh, en gros, c'est sur notre route, oui. Je m'occupe de ça. Alors, du coup, amélioration. Pommeau de hache, nous avons une nouvelle amélioration. Qu'est-ce que nous avons? Force, chance. Force, vitalité, chance. Vitalité, bah, plutôt ça, je dirais. C'est mieux. Voilà, équipé. Donc, la pommeau de hache, c'est bon. On l'a fait. Armure d'Atreus. Bon, pas. Y a pas grand chose. J'aurais dû faire les épaulières des anciens. Mais j'ai pas assez de. J'ai pas assez de sous. Hein. Amélioration pommeau de hache. Je ne peux pas. Je ne peux pas non plus. Acheter protection du torse. Alors, est-ce que je peux vendre protection des avant-bras, enchantement? On le vire. Ça sert pas à grand chose. On reste dans le coin pour causer un peu. Ah, attends, ça m'attège alors que je n'ai pas le temps de.
c'est chiant. Non, ça sert à racheter pierre de résurrection. Ça, oui. Ça, je veux bien. Quand Kratos meurt, je veux bien ça. Il me reste 3029. Je peux améliorer ça. Amélioration de la hache. Plus ce charlatan qui me sert de frère poser ses mains dessus. Ah ouh, comment il parle à son frère. J'aime pas ça. Ressources insuffisantes, il manque d'argent, cœur d'ancien, j'en ai pas. Bah, c'est tout pour le moment. Ça sera tout, hein. Et qu'est-ce qu'il est gris, ce nain? Oh là. J'ai besoin de cet alchimiste pour une création que je te réserve. Je crois qu'il va chercher lui-même son alchimiste. Alors, du coup. Non, ça nous mène nulle part. Ça sert à quoi, ça, au fait? Ah, rien. Il faut dégager la corde du désordre que tu as provoqué là-haut, Atreus. Peut-être qu'on peut monter là-haut par le passage qui s'est ouvert. On va voir. Par le passage qui s'est ouvert? Atreus, avec moi! Alors, c'est pas ici à mon avis, hein. C'est... c'est autre part. Alors, attendez, on était là. Donc, on était là. Ça s'est passé là. Donc, c'est par là. Cette machinerie ressemble beaucoup à celle des nains, mais la taille d'une pierre... clairement du Jotun. En fait, je crois que les géants ont vécu ici après avoir creusé la montagne. Je suis censé faire ça comment? Mère appelait ça les roues de haine. Impossible à brûler ou à couper. Ok, on peut passer par là apparemment. Pour le moment, non. Donc à mon avis c'est pas là. Là. Ah c'est là. Ah non, quoique. C'est pas là. Non, c'est de l'argent. Ça pourrait être où? Qu'est-ce que ça dit? Oui, père. C'est drôle. Pourquoi? Quelqu'un a écrit « Réservé au Jotnar ». Et un autre ami et au nain. On ajoute quelque chose? Non. Donc à mon avis, c'est pas là. Bah, ça peut être que là, en fait. Parce que c'est là où ça a pété, en fait. Enfin, à partir d'ici, je veux dire. À mon avis, Atreus doit monter. Pour donner la, la chaîne. Je pense que c'est ça en fait. Mais ouais, il y a deux passages. J'y vais comment? Là? On va sur le coffre. Non, il pourra pas monter là. À mon avis, c'est par là. Hein. Je suis peut-être passé à côté d'un truc, je sais pas. T'as dégoté cet alchimiste que je t'avais dit de trouver? Oh, ils vont pas me faire chier longtemps, le nain. Quand même. Tu me laisses faire ce que j'ai à faire, s'il te plaît? À mon avis, ouais, c'était pas le bon chemin, c'est là. Des pièges. Il y a un tunnel, mais trop petit pour toi. Prends-le. D'accord. Il va devoir passer de l'autre côté. Aïe. Est-ce que ça va? Aïe. Bien sûr. Ça pique. Alors du coup, ici... on en a un deuxième. Comment il passait? Voilà. Ça c'est bon.
Je sais pas lui. Non plus. Oui, ça me tient. Meurs. Il y en a un autre. Exécution. C'est tout? Avec ça? Ok. Il y en a un là. Ah non, c'en est pas un. Bon, ça va. C'était tranquille, ça va. Par contre, ces bestioles-là, je les crains. Je sais pas pourquoi, mais je les sens pas. Du coup, ici, on a quoi faire. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ils sont à tuer, à mon avis. Hein. Faut les tuer. Il revient à chaque fois, j'aime pas ça. Je sais pas. Il n'a pas l'air si agressif que ça. Tu peux le déplacer. Ça a l'air lourd. Aucun problème. Ça bouge. Ah, c'est un wagonnet, ça. Et on est c'est un wagon, non? Je vois bien. Voilà. Voilà. C'est parti. J'ai l'impression que ouais, c'est une sorte de wagonnet, un truc du genre. Un wagon. Voilà. On part là. Ouais. C'est un peu trop loin, je trouve. On va essayer de le reculer un petit peu. On peut peut-être passer par la grande porte là-haut. Voilà. Ça ira mieux là. Alors là-haut, je peux pas y aller. Ici, oui. Je sens qu'on va avoir de la compagnie. Une autre lanterne. Cassée. Laisse-la. À quoi peuvent-elles servir? Elles ont quelque chose de spécial. Je le sens. Je peux pas faire descendre ça? Ah, j'allais dire, quand même. Non, mais descends pas, Kratos. Attends. Je viens pas explorer là-bas. Alors lui, il veut carrément se barrer. Il a pas envie de... De sortir d'ici, je crois. Alors, du coup, on va allumer cette lanterne. Là. Cassé. Voilà. Que la lumière soit. Ça, c'est fait. Il y a des choses à péter. Alors là en bas, je pourrais y aller. Eux, je les sens pas. Je me disais bien. Là, là. Ils vont mourir. Voilà, je me suis soigné un petit peu, mais bon, c'est déjà pas mal. Du coup, je dois remonter. À mon avis, c'est pas fini. Où est-ce qu'on va maintenant? What? C'est un gobelin, ça. Les yeux d'Oda. Ah non, c'est des yeux d'Oda. On dira alors c'est un corbeau, je sais pas, c'est bizarre. Ah, je peux pas les tuer ces bestioles là, ok. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. Bah oui. C'est bizarre.
Je vais aller où, là? Par là? Là où il y a un trou? Je pense que c'est là. Il y a un coffre, déjà. Ça, c'est bien. Déjà, on est sur la bonne voie, là, déjà. Ça va. Assez massif. Ce qu'on va faire... On va... Ah non, c'est même pas ça. Ok. Mais c'est même pas ça. Où est-ce qu'on va faire ? Voilà. Hey, ça pourrait être utile. Du coup, ici, on a fait le nécessaire, je pense. Hein. Il faut... Je vois pas où je dois aller. Ça peut être pété, ouais. Faut pas les péter, ça? Non? Je sais pas, ça m'a l'air logique. Du coup... Est-ce que l'autre côté, je peux y aller? Non, je peux pas y aller. Non. Je sais pas. Où est-ce qu'on va maintenant? Parce que j'ai l'impression que je fais le tour en fait pour rien. J'ai l'impression de faire le tour pour que dalle. Ici c'est fait. Là je sais pas. Si je l'ai fait ici. En fait ça fait tout le tour. C'est un labyrinthe le bordel. Là, je suis passé, il me semble. Oui, ici, oui. Ah, mais il y a un autre pont, là. Ah, d'accord. Là. Voilà. Alors désolé pour le spamage de touches, hein, mais c'est God of War. Regarde, c'est bon, on est bon là. Si ce n'est pas utile, alors n'y touche pas. Par contre, j'ai eu un truc à péter. Ah, c'était ça en fait. Ça donne quoi ça? Ça donne rien en fait. Ah si, de l'argent. C'est tout. Ok, bon, c'est déjà pas plus mal que nous. C'est déjà pas mal. Ça va. Ouais, mais ça me ramène là. Ça sert à rien. Donc ça me sert à rien. Tasse de concentration d'écailles. Ok. Ok, ok. Bon, on va finir d'explorer et puis on s'arrêtera là, les amis. Donc du coup, de la life. Il n'y a rien d'autre. Hein. On a fait le tour là. Bon, écoutez les amis, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. En tout cas, si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, laissez le pouce bleu des familles. Abonnez-vous pour soutenir ma chaîne. On se retrouve dès jeudi pour Dragon Ball Z, Kakarot et Zelda Tears of the Kingdom. Allez, ciao ciao tout le monde.